Congo. Aussi appelé de manière informelle Congo-Brazzaville, en forme longue, la République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'Équateur. Ses voisins sont le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, de laquelle il se sépare en partie par le fleuve Congo, puis l'Ubangi et le Gabida. Le pays s'étend sur 1500 km du nord au sud et 425 km d'est en ouest. La République du Congo est fréquemment appelée Congo-Brazzaville pour la distinguer de l'autre Congo, officiellement nommée République démocratique du Congo, aussi appelée Congo-Kinshasa. Elle a également porté le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992. Le pays de Sassou Nguesso a officiellement annoncé ses intentions de remplacer le Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous vous présentons les 6 meilleurs stades sur le plan de la capacité que possède le pays voisin du Cameroun. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Le stade de Sibiti, avec une capacité de 7000 places. C'est un stade omnisport, situé dans la ville de Sibiti, au sud de la République du Congo. Inauguré le 15 août 2014 par le président Denis Sassou Nguesso, il avait abrité la finale de la Coupe du Congo de football en 2014, suite à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Le stade de Pointe-Noire, avec une capacité de 13 594 places. C'est un stade de la ville de Pointe-Noire, construit en 1975 et porte le nom du stade de Casimir Volay jusqu'en 2007. Après des travaux réalisés en 2006, il est inauguré le 17 janvier 2007 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors en 2007. Le stade Mariam Gwabi Doando, avec une capacité de 13 037 places. C'est un stade multisport, situé au nord de la République du Congo, inauguré en 2009 par le président Denis Sassou Nguesso. Il avait abrité la finale de la Coupe du Congo de football à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le stade municipal de Dolisie, avec une capacité de 20 000 places. À quoi appelé stade Denis Sassou Nguesso, anciennement appelé stade René Pont, il a été rénové en 2008 et situé dans la ville de Dolisie. Il avait abrité le 15 août 2008 la finale de la Coupe du Congo de football pour le 48e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville, avec une capacité de 33 037 places. Ancien stade de la Révolution, il prend en 1993 le nom d'Alphonse Massamba Déba, ancien président de la République du Congo. Le stade Olympique de Brazzaville, avec une capacité de 60 000 places. C'est un stade multisport construit dans le complexe sportif de la Concorde de Kitele à Brazzaville. Il a été livré en juin 2015 par une entreprise de construction chinoise et a abrité les épreuves des Jeux africains dits du cinquantenaire du 4 au 19 septembre 2015.